et bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Molin-Dupuis. Cette semaine, je me fais un petit cadeau, une petite chronique légère, mais parce que j'amène du lourd. Je vais vous parler de ce livre qui vient de sortir, de paraître en français. C'est 500 ans de résistance autochtone par Gord Hill. Ce livre existe depuis plus de 20 ans. Il était sorti à l'époque en partie en zine, mais après, il avait été réuni dans un volume, dans un livre. Et c'était un des livres qu'on suggérait souvent dans les débuts d'Idle No More pour pouvoir expliquer la colonisation, les problématiques de colonisation sur l'île de la Grande Tortue et partout en Amérique. Après plusieurs demandes, des requêtes de l'avoir en français, je me rappelle que les gens disaient « il faudrait qu'on l'aille en français ». Et maintenant, il est là en français et le livre est magnifique. C'est un objet de collection. Je le recommande atrocement, si je peux pas le dire autrement, à ce que vous l'ayez dans votre collection, dans votre bibliothèque. Et cependant, il y a quand même quelques avertissements à donner. C'est que ça parle de l'histoire coloniale et ça en parle d'une façon qui est vraie, qui est vécue aussi par du côté des premiers peuples. Donc, il va y avoir, comme dans l'histoire, des passages assez violents. Je pense beaucoup au début de la colonisation avec avec Christophe Colomb, l'autre gars. Mais on parle des fois de passages justement où on reconnaît activement que les femmes autochtones étaient mises en esclavage pour être vendues comme des esclaves sexuels. Et là, on parle pas juste de femmes, on parle de filles et de jeunes filles. Donc, quand on le lit, il faut le lire vraiment avec la lentille de ce qu'était l'histoire, c'est-à-dire une lentille qui nous protège des violences coloniales, parce que c'est très dur de voir comment les femmes, les filles, les humains qui sont au cœur de nos sociétés ont été vus comme de la chair à canon ou même qui étaient prêts à être vendus en esclavage. Et ça, malheureusement, ça fait partie de cette vision-là. Et souvent, quand on parle de la fin du monde, de l'apocalypse, je dis même, vous savez, l'apocalypse, elle a commencé en 1492 et on continue de la combattre aujourd'hui. Donc, c'est important de voir ce livre-là comme étant une lentille nécessaire à ce que l'on voit aussi des luttes autochtones, pas comme dire à quelqu'un quand est-ce qu'ils vont passer par-dessus ça. C'est très dur de passer par-dessus 500 ans de colonisation, mais c'est pour ça qu'il y a 500 ans de résistance autochtone. Et bien sûr, maintenant qu'il y a eu le temps de maturer aussi ce livre-là, vous allez avoir un livre totalement différent de celui qui était sorti dans les années 2010. C'est un livre, je pense que c'est un auteur aussi qui a passé entre les mains des mouvements de femmes autochtones, parce que je trouve qu'il y a vraiment un regard un peu plus, je pense, pas plus calme, mais un petit peu plus profond, et un peu moins dans la colère, un peu plus dans le changement, la transformation. D'ailleurs, il va parler des mouvements qui sont arrivés suite aux mobilisations. J'aime bien montrer qu'il y a un petit passage pour la mouvance Idle No More et tous les autres passages ensuite, comme Elsie Pogtog, comme Standing Rock. C'est important de voir ça comme un livre qui est en progression, parce que à tous les jours, à toutes les années, on voit qu'il y a une transformation. Il y aurait sûrement maintenant des chapitres pour Joyce et Chacoan. On parle aussi des femmes assassinées disparues. C'est toutes des approches qui, à l'époque, n'étaient pas encore discutées par rapport justement à la décolonisation des systèmes. Donc, je le recommande, et si vous voulez vous rajouter un autre petit volume pour combiner ça avec une perspective du Québec, eh bien, je recommande de l'acheter en même temps que C'est le Québec qui est né dans mon pays, d'Emmanuel Dufour. C'est une perle à avoir avec une autre perle, et ça va trôner dans ma bibliothèque très fièrement. Alors, je vous souhaite une belle semaine, une bonne lecture. N'hésitez pas, justement, si vous avez des livres que vous voudriez dont on parle ou qu'on explore, parce que souvent, ce sont ces bijoux-là qui vont rentrer dans les écoles, qui vont rentrer dans les universités, les cégeps, et qui vont aider les jeunes à transformer leur vision de ce que c'est être autochtone et ce qu'était la colonisation aussi, avec ses vérités et sa laideur, mais aussi avec sa résistance. Alors, je vous souhaite une belle semaine.